Cette histoire de science-fiction que j'ai écrite ne contient évidemment pas une once de vérité et n'est destinée qu'à vous divertir. Avant de commencer, je tiens à mentionner qu'une des idées de cette histoire a été empruntée à Philip K. Dick dans sa nouvelle « La guerre contre les Fnouls ». Cette histoire prend le contre-pied des rumeurs folles sur le Covid-19 et raconte comment il est arrivé sur Terre. Comment le port du masque, le gel hydroalcoolique et le respect de la distanciation sociale ont été retournés contre nous par les Tadmoriens, un peuple dur d'oreille, fort peu enclin au doute, avide de reconnaissance et très mauvais en langue étrangère. Comment les partis pris, une dose de paranoïa et l'absence de prise en compte du point de vue des autres et de recherche d'informations sérieuses peut mener une civilisation à sa perte. Comment nous avons failli être débarrassés du virus sans avoir rien fait pour ça, et pourquoi nous avons bêtement échoué. L'atterrissage eut lieu dans le désert de l'Arizona, près de la petite ville de Pine Top Lakeside, dans l'ancien territoire Navajo. Le vaisseau se posa sur le sable, dans le silence absolu de la nuit, et au début, seuls les serpents et les oiseaux s'enfuirent terrifiés. L'aéronef cylindrique se stabilisa, ses moteurs se coupèrent, et dans les centaines de coursives que comptait cette cité volante, les cabines des futurs colons au quartier de commandement, ce fut un moment historique, rempli d'émotions. Une nouvelle ère s'ouvrait, faite de conquêtes, de découvertes et peut-être de guerres. Tandis qu'un interminable voyage galactique prenait fin. La section habitable du vaisseau se mit à bruire avec effervescence. La section de production, quant à elle, mit sa machinerie en route, comme prévu dans le plan d'invasion. Moins d'une heure après l'atterrissage, les capsules autoréplicantes sortaient une à une des machines pour s'aligner consciencieusement dans l'entrepôt militaire. Les colons, curieux et admiratifs, se pressaient dans les salles communes où de grands écrans montraient le processus en cours. Cette fois, les humains n'auraient plus le choix. Au petit matin, l'alerte n'avait toujours pas été donnée. Le plan se déroulait sans accroc. Dans le quartier de commandement, le roi de la future colonie, un Tadmorien débonnaire portant le nom dynastique de Sars II, écoutait l'administratrice en chef des colons et le général de campagne lui vanter les chances de succès de l'invasion terrestre. Sire, l'affront que nous ont fait les terriens ne se reproduira plus. Nous avons assez essayé la diplomatie. Place à l'offensive. Le roi hocha la tête. En effet, la dernière mission diplomatique avait été anéantie sans sommation. Une gifle à la planète Tadmor tout entière. Et la risée pour la mission. Cette espèce humaine, hautaine et fière, refusait toute négociation. Nous avons voyagé 14 années et tenté à 4 reprises d'entrer en contact avec ces créatures. Nous ne pouvons pas rester en orbite indéfiniment en attendant qu'ils daignent nous parler, dit l'administratrice en tapant sur le bureau du roi. Nous n'attendons que votre signature pour déclencher le débarquement. Le roi regarda l'écran qui montrait, avec des flèches et des cercles de couleurs, le déroulement implacable du plan. Certes, tout cela avait l'air imparable, mais... ces humains sont si déconcertants. Jamais nous n'avons rencontré d'espèces qui se comportent de la sorte, fit le roi. Ils ont nié nos délégations culturelles, nos invitations, nos messages et même nos présents. La fine fleur de la technologie et de l'art tadmorien, offerte en gage de paix et convoyée pour eux depuis la constellation de ces fées. Alors nous sommes passés à la déclaration de guerre, et même là, ils nous ont posé un silence méprisant. Cette fois-ci, ils n'auront plus le loisir de nous ignorer. Je crains malgré tout qu'un élément nous échappe, dit le roi.
Rendez-vous compte, Majesté, ils ont avalé nos diplomates. Rien de moins. À ce souvenir, l'effroi prit possession de la salle de commandement. D'un air sombre, SARS-2 apposa son code numérique pour lancer l'opération Capsule. Ne vous bousculez pas, il y aura plusieurs séances, répétaient les gardes à l'entrée de la salle. Rien n'y faisait, les colons tadmoriens, surexcités par l'atterrissage, se pressaient en masse. Le général en chef allait dévoiler le plan d'invasion aux futurs colons de la planète Terre. Chacun avait conscience de vivre un moment historique et voulait en savoir le plus possible sur cette glorieuse conquête. Si l'invasion était un succès, un brillant avenir attendrait les pionniers qui fonderaient sur Terre une société nouvelle. En outre, ils seraient autorisés, selon les lois de Tadmor, à porter le nom prestigieux de conquérant galactique, dont l'abréviation CG ornerait leur tenue en lettres dorées. Le silence se fit dans la salle. Le général, qui avait le sens du spectacle, fit éteindre les lumières tandis qu'apparaissait sur l'écran une capsule en coupe. On apercevait à l'intérieur de sa capsule le brin d'ARN, dont l'extrémité non codante signifiait « Nous venons en paix » en tadmorien dans le langage universel des ribonucléotides. Une musique triomphante se déversa alors en décibels tonitruants sur l'assemblée. À l'extérieur du vaisseau, les insectes et les rats du désert prirent la fuite, alertés par le vacarme. Les oreilles des tadmoriens n'étaient pas particulièrement développées. On pouvait même dire que celui qui avait l'ouïe la plus fine aurait porté chez les humains le plus puissant des appareils auditifs. À la vérité, ces conquérants galactiques étaient extrêmement durs de la feuille, et même des deux. Pendant que le vaisseau tout entier vibrait sur le sable sous l'effet des basses, la voix hurlante du général dévoila aux colons l'instrument qui ferait d'eux, à coup sûr, enfin, des CG. Ces capsules sont actuellement produites par milliers dans notre unité de production. De technologie simple, elles ont cependant la particularité de pouvoir se répliquer elles-mêmes rapidement dès qu'elles entrent dans le corps humain. Des « Oh !» et des « Ah !» admiratifs se perdirent. Ces capsules voyagent facilement d'une créature à l'autre via le milieu ambiant. En quelques jours, elles auront contacté tous les humains. Elles leur causeront des désagréments tels que cette fois, non, ils ne pourront plus nous ignorer, triompha le général. Le film, un habile montage, montra alors des humains toussant et se mouchant et une délégation de chefs d'État serrant la main au roi tadmorien SARS-2. Les humains en mourront-ils ? Non, ce serait idiot. Dans un corps mort, les Covid ne se répliquent pas. Nos capsules de modèle Covid-19 sont conçues pour attirer leur attention et pour leur délivrer un message, pas pour les tuer. Sitôt qu'ils voudront comprendre d'où leur vient cette toux et cet écoulement nasal, ainsi que l'altération de leur sens du goût, ils découvriront nos capsules et comprendront qu'une civilisation supérieure à la leur est entrée en contact avec eux. À partir de là, tout est possible. Une collaboration fructueuse, une colonisation bienveillante, ou hélas, une guerre, que nous gagnerions, bien évidemment. Le général fit une pause lourde de sens. Il avait encore un tour dans son sac, mais il ménageait ses effets. À coup sûr, les humains chercheront à se prémunir contre nos Covid-19. Il est presque certain qu'ils porteront des masques, mais nous tirerons profit de cette réaction primitive. Les colons du premier rang applaudirent. Une équipe de nos espions d'élite infiltrera leurs usines. Nous installerons des micros et des émetteurs entre les fibres des masques.
Nous comprendrons enfin ce qu'ils disent. Imaginez-vous, leurs paroles recueillies directement à la source, tout contre leur bouche, et amplifiées un million de fois par nos récepteurs. Nous n'avons jamais compris un traître mot de leur langage jusqu'ici, tellement ils parlent faiblement. Nous pensons même qu'il s'agit là d'un des principaux moyens de défense de cette espèce. Nos linguistes pourront enfin plancher sur leur idiome. C'est génial, bravo ! Cria quelqu'un. Et ça et là, dans la salle, le début de l'hymne planétaire Tanur imposait. Le général avait gardé le plus fort pour la fin. Raviver la vieille rancœur contre les Snegules, ça marchait toujours. Les humains useront probablement de la guerre chimique contre nos capsules sous la forme de produits désinfectants et alcooliques dont nous connaissons les ravages. Sur l'écran, les images effrayantes de guerre chimique et d'hélicoptères pulvérisateurs suscitèrent la peur sur un fond de musique symphonique particulièrement sinistre. Plus jamais ça, hurla le général. D'autres espèces ont tenté de nous éliminer de cette façon. Cette fois, nos agents revêtiront des tenues étanches en latex nanosulfurisé. Ils pourront même nager dans le désinfectant comme s'ils y prenaient leur bain. Par contre... L'animation montra des snugules aux bouches tordues succombant dans un flot de gel hydroalcoolique aux côtés de bêtes effrayantes, sans doute des bactéries terrestres. En tentant de se défendre, les humains élimineront du même coup nos ennemis. Ces chiens de Snugul qui ont tenté de s'approprier la Terre avant nous. L'arme des humains sera également la nôtre. Elle nous débarrassera de nos ennemis héréditaires, ainsi que de la faune terrestre méconnue et toujours à craindre. Qu'il s'agisse des masques faciaux ou du désinfectant, l'idée d'utiliser contre eux les moyens de défense que les humains ne manqueraient pas de mettre eux-mêmes en œuvre était du pur génie. Du judo à l'échelle interplanétaire. Un coup d'empereur au bas mot. Le général se voyait déjà au panthéon tadmorien. Pour le buste, il hésitait entre un marbre à l'antique et le style contemporain en résine fluo. L'assistance était euphorique. Sur fond de musique militaire, les colons se pressèrent vers le bar où le cocktail de la victoire future leur fut servi dans des verres à spicules qui imitaient la silhouette des capsules. Le général exultait, sollicité par une foule de futurs CG qui voulaient le féliciter. Dans les soubassements du vaisseau, les Covid-19 tout neufs s'alignaient déjà par centaines avec leur élégante coque étoilée, tels des messagers pleins d'espoir. Le roi prit sa douche, congédia sa camériste. Il avait besoin d'être seul. Les clameurs et la musique lui parvenaient de l'étage inférieur où se trouvait la salle de projection. En tenue du soir, SARS-2 se servit une boisson rare, s'installa dans un fauteuil et fit la liste des questions qu'il aurait dû poser au général. Où avait-il décidé d'envoyer ses Covid-19 en premier? Qui parmi les dignitaires humains, d'après lui, le recevrait-il d'abord? Qui était exactement le chef de la planète? Le maire de Pinetop Lakeside? Et que conviendrait-il de porter pour passer à la télévision? En fait, une autre question restait en suspens, mais Sarge la redoutait. Durant les derniers mois du voyage, elle avait rôdé dans sa tête sans qu'il trouve le courage de contrarier l'enthousiasme du général. Tous les essais n'avaient été que des simulations informatiques. Et si un impensable grain de sable s'immisçait dans le plan? Et si les Covid-19 ne se comportaient pas comme prévu? Et s'il finissait par tuer les humains? Cette pensée le révoltait. Une fois encore, en mourant stupidement, ceux-ci arriveraient à nier l'existence des Tadmoriens. L'idée de passer inaperçue aux yeux de cette espèce loufoque était insupportable à Sarzulu. Rien n'était pire que l'indifférence.
des cendres, la trappe du vaisseau s'ouvrit et une puissante soufflerie emporta un à un les Covid-19 au vent. Afin qu'ils ensemencent la planète entière, le jet d'air changea plusieurs fois de direction. Ensuite, la trappe se referma. Pour les colons commença alors une longue attente. Quelle serait la terre d'accueil élue de leur création? Les Covid étaient astucieusement équipés de traceurs permettant de les localiser. Une vie lourde d'attente reprit au sein du vaisseau immobile caché dans le désert de l'Arizona. Bientôt, les ingénieurs eurent le plaisir de faire part aux colons des nouvelles les plus réjouissantes en provenance de Wuhan, en Chine. Les Covid y étaient parvenus à se multiplier à l'intérieur d'humains. C'est le succès, sire, déclama le général en déboulant dans le bureau du roi. Ils se sont rendus compte de quelque chose. Ils ne sortent plus. Ils construisent des hôpitaux à la hâte. Le roi fronça le sourcil. Des hôpitaux, général? Ils sont affectés à ce point? Oh, très peu de morts, sire, très peu. Mais si les Covid ne les affectaient pas au moins un peu plus que la grippe, ils n'auraient pas... Je sais, vous avez bien fait. Cependant, votre plan ne disait pas... À ce moment, l'administratrice de la future colonie entra un dossier à la main. Sire, les premiers signes sont en effet très prometteurs. Les humains de Wuhan restent chacun dans leur petite case. Ils ont diminué leurs interactions sociales. C'est une réaction extrêmement rapide. Je suis presque sûre que nos espions dans les usines de masques vont commencer à y noter aussi une activité inhabituelle. Intéressant, dit le roi. Et comment réagissent nos colons? Oh, ils attendent impatiemment l'heure d'installer la colonie. Certains brûlent de faire connaissance avec les humains. Mais nous arrivons à les contenir. Nous avons étoffé l'offre de sport à l'intérieur du vaisseau. Mais, sire, pour revenir aux humains... Oui, dit le roi, légèrement courroucé. Enfin, s'il en reste... Sire, voyons, dit le général. Nos calculs ont été bien faits. Majesté, regardez plutôt ceci, dit l'administratrice, en plantant sa clé USB dans le projecteur. Une mosaïque d'images de guerre et d'enfants faméliques apparut sur le mur. Savez-vous, sire, pourquoi les humains en sont là? Non, dit le roi, mais... Leurs relations, coupa l'administratrice. Quand ils ont des relations entre eux, eh ben, ils s'attachent les uns aux autres et puis ils se blessent. Un jour, ça prend de l'ampleur. Ça se transforme en guerre, en passant par les stades de la jalousie, de l'intolérance, de la vengeance. Prenez n'importe lequel de leurs problèmes, chacun prend sa source dans les relations pourries qu'ils ont entre eux. Parents-enfants, camarades, collègues, couples, rien n'y échappe. Intéressant, fit le général en se grattant le menton. Chaque fois qu'ils en ont, poursuivit l'administratrice avec morgue, ils produisent une hormone qui leur fait croire que c'est plaisant. Alors qu'elle concourt à leur propre perte, ils l'appellent la sérotonine. L'administratrice eut une moue de dégoût. Sur l'écran, un liquide vert apparut dans un flacon marqué d'une tête de mort. Eh bien, sire, annonça-t-elle fièrement après une volte-face théâtrale, le taux de sérotonine à Wuhan est déjà en train de baisser. Étonnant, fit le roi. Et ils s'entendent mieux alors? Non, fit l'administratrice en soupirant, légèrement agacée. Mais ce n'est pas le but, sire. Quand ils ont des relations, ils sécrètent de la sérotonine. Quand ils n'en ont aucune, ce taux baisse. Et leur capacité d'autodestruction à terme baissera elle aussi, croyez-moi. C'est formidable, ponctua le général en bombant le torse. Non seulement nous les envahissons, mais en plus nous les sauvons. Dès qu'ils seront entrés en contact avec nous, nous leur expliquerons. Ils nous seront probablement très reconnaissants. Nos deux peuples, à l'avenir, se... Ils n'ont pas encore pris contact avec nous, hein, tempéra le roi. Restons modestes. L'épidémie battit son plein à Wuhan et fut rapidement exportée par les voyageurs. Elle flamba en Europe,
puis en Amérique, et toucha finalement le globe entier. Sur les écrans du vaisseau, la carte se colorait de jour en jour. Le Covid se reproduisait tout seul à la perfection et voyageait dans des gouttelettes de salive. Il se comptait par milliards de milliards. À vrai dire, seuls les ordinateurs du bord étaient encore capables d'appréhender leur nombre. Les humains, tellement prévisibles, se mirent effectivement à porter des masques et répandirent des litres, des flots, des marées de gel hydroalcoolique. L'opération masque fut un succès éphémère. Les paroles humaines, amplifiées par les équipements miniaturisés placés dans l'épaisseur des masques, parvinrent bien aux appareils des Tadmoriens. Ceux-ci découvrirent avec consternation la teneur des échanges verbaux quotidiens entre humains, car ils n'avaient appris des rudiments d'anglais que par des documents écrits. Leurs linguistes travaillèrent quelques jours sur l'accent anglais qu'ils entendaient pour la première fois, et ils n'eurent pas le temps de se pencher sur les autres langues de la planète. Un vade-mecum de mots simples et courants, accompagné de conseils hâtifs sur leur prononciation, fut déposé sur le bureau du roi en prévision d'une rencontre imminente avec les humains. Hélas, l'opération masque avorta après quelques jours. Le fait que les hommes aient pu imaginer le concept de masque jetable surprit totalement les Tadmoriens. À la fin de la semaine, tous les coûteux équipements miniaturisés avaient fini à la poubelle ou dans des incinérateurs. Et les récepteurs étaient redevenus silencieux. Ce fut un des grands échecs de la campagne. La rencontre imminente se faisait cependant attendre. La pandémie progressait, mais personne ne prenait contact avec les Tadmoriens. Quelque chose n'allait pas. Aucun des laboratoires qui avait à présent étudié le virus sous tous ses angles n'avait-il encore déchiffré le message contenu dans son ARN ? L'origine extraterrestre du virus n'avait-elle donc sauté aux yeux de personne ? Les humains sont des imbéciles, décréta l'administratrice, à qui il tardait de prendre les commandes de la nouvelle colonie. Les Tadmoriens leur envoient des Covid, et eux, ils ne regardent que les Covid. Ils sont comme ces idiots qui, quand un doigt leur montre la lune, regardent le doigt. Notre invention leur cause quand même beaucoup de morts, répondit le roi préoccupé. Ça compromet mes chances d'une entente cordiale avec leur roi. Ils sont occupés à essayer de sauver leurs semblables. Leur société tremble sur ses bases. Soyons patients avec eux. Du reste, il semblerait que certains, privés de relations et de sérotonine, vont jusqu'à mettre fin à leur jour. Vous m'aviez pourtant dit que la sérotonine... Des drogués, irrécupérables, incapables de vivre sans ce produit, fit l'administratrice avec mépris. Personne ne le regrettera. Avez-vous à présent repéré qui dirigeait les terriens, poursuivit le roi. L'administratrice, qui n'aimait pas avouer son ignorance, éluda la question. Nous avons plusieurs hypothèses, vous serez averti en temps voulu. Le roi feignit de se satisfaire de cette réponse. Mais cette histoire de Covid commençait à prendre une drôle de tournure et cela ne lui plaisait pas. Oh, à propos, fit le roi, le général s'était proposé de baptiser les capsules SARS-CoV-2 en mon honneur. J'ai bien réfléchi, mais je vais décliner cet hommage. Il faut savoir rester modeste. Nous continuerons à les appeler simplement Covid. La première équipe de valeureux Tadmoriens équipés de combinaisons en latex rentra triomphalement au vaisseau après une mission de reconnaissance dans la petite ville toute proche de Pinetop Lakeside. On leur fit la haie d'honneur. Après avoir pris position sur la main d'un spécimen humain, ils avaient été inondés de gel hydroalcoolique à l'entrée d'un bâtiment et avaient survécu. Ils avaient réussi à passer de main en main, puis à embarquer dans une voiture reprenant la route du désert et à rejoindre le vaisseau. Le Covid qu'ils avaient emmené pour le test avait malheureusement été dissous. Mais ils l'annoncèrent avec une jubilation toute particulière. Ils avaient croisé une poignée de snubules
dépourvus d'équipements de protection, qui avaient succombé sous leurs yeux. Les sécurités firent vite la une du réseau des colons. Aux côtés des tas de moriens vêtus de latex qui plongeaient à leur aise dans un marais de gel, le snugule verdâtre, surpris par le jet, avait la peau affreusement rongée. Les viscères de l'un traînaient derrière lui avec une impudeur dégoûtante. Les snugules, arrogantes créatures peuplant une planète voisine de tas de morts dans la constellation de Céphée, avaient tenté de coloniser la Terre avant les tas de moriens. En raison de leur caractère dépravé et de leur indiscipline, les snugules n'avaient, disait-on, réussi à implanter aucune colonie sérieuse. Mais il se murmurait aussi qu'une partie d'entre eux avait survécu sur Terre à l'insu des humains et se donnait du bon temps sans bâtir aucune ville ni appliquer leur plan d'invasion. Ainsi, la rumeur était confirmée. L'épidémie de Covid-19 servirait également à se débarrasser de ces parasites. En quelques centaines d'années, ils n'avaient même pas réussi à se fabriquer des scaphandres. Le prochain drapeau qui flotterait sur Terre ne serait heureusement pas celui des snugules, mais bien celui des tas de moriens. Le gel et sa popularité grandissante causèrent certes des pertes à la flotte de Covid, mais celles-ci restèrent malgré tout négligeables, car des Covid, il y en avait toujours plus. Ces aspersions primitives ne pouvaient pas grand-chose contre la merveilleuse et exponentielle multiplication des Covid. L'administratrice introduisit une jeune stagiaire dans le bureau du roi SARS II. « Nous comptons sur vous, mademoiselle, » lui dit l'administratrice. « Soyez rigoureuse avec les mesures. » La stagiaire hocha la tête d'un air discipliné et se mit à prendre les mesures du roi avec un mètre ruban. En vue de la rencontre au sommet, qui ne tarderait plus, on faisait faire à SARS II une tenue d'apparat en latex à l'épreuve du gel hydroalcoolique. La prudence restait de mise. On pouvait compter sur les humains pour en répandre partout lorsque le grand jour serait venu. Et ce qui aurait le mérite de vider le lieu de la rencontre au sommet de tous les clochards snugules qui auraient encore pu traîner dans le coin. Si vous pouviez m'amincir un peu d'ici et aussi de là, par une coupe habile, suggéra le roi. Oui, sire, dit la stagiaire en rougissant, mais l'étanchéité prime votre sécurité. « Bien sûr, » fit le roi, en levant les bras pour laisser mesurer son tour de taille. La stagiaire sortit, le roi commença à plancher sur ses premiers mots d'anglais. Dans son casque, un linguiste talmorien hurlait « Good morning! How are you? One more beer, please! Et fuck off! » Le roi répétait consciencieusement ces mots, consignés par les spécialistes comme relevant du langage courant sur Terre. Se préoccuperait de leur sens plus tard. Le général croisa l'administratrice dans une coursive. « Madame, tant que je vous vois, concernant notre petit arrangement... »« Oui, » fit sèchement l'administratrice, « je sais. Les chiffres empirent encore. Vous êtes fameusement planté, hein, général. »« Oh bah, pas tant que ça, mais... »« Mais quoi ?» Les hôpitaux des humains sont bien moins nombreux, je pensais. Ne vous cherchez pas d'excuses. Vos capsules font 100 fois plus de morts que prévu. Vous avez de la chance que je ne dise rien au roi. Vos recherches sur la sérotonine manquent elles aussi de sérieux. Le silence est d'or, hein, général. Nous sommes bien d'accord. Bonne nuit, mon général. Il devint clair que les humains se moquaient d'eux. Sur la planète entière, l'espèce humaine se terrait chez elle. La multiplication des Covid atteignait des chiffres proprement cosmiques. Et les humains refusaient toujours obstinément de rencontrer les émissaires talmoriens. Aucun signe n'était venu de leur part. Ils n'avaient répondu à aucune invitation officielle. Pire, une délégation de diplomates avait encore été avalée par un dirigeant sans masque. Cette fois, SARS II était hors de lui. Il était à n'y rien comprendre. C'était une gifle à la face du peuple tadmorien.
C'était comme si les Vikings, les Romains ou les nazis envahissaient le monde et que la population faisait comme si elle n'avait rien remarqué. Vous avez vu des Vikings, vous ? Non. Et vous ? Comme si les nazis avaient placardé sur le mur les nouvelles lois d'occupation et que personne ne les avait lues, ne s'y était jamais conformé et que personne ne prononçait même jamais le nom des nazis et continuait à vivre comme avant en s'en fichant comme des mouillés. Les fourmis revendiquant un coup d'État parce qu'elles avaient installé une fourmilière quelque part dans le parc entourant la Maison Blanche n'aurait pas été plus ridicule. Une victoire insu des vaincus était-elle une victoire ? Les Tadmoriens s'en aperçurent avec consternation. Les conquérants avaient besoin de l'aveu des conquis. Sans quoi leur triomphe ne ressemblait à rien. Les envahisseurs étaient pareils à des chats qui se croient les maîtres de la maison, tandis que les humains les traitent en braves animaux domestiques inoffensifs. Et encore, les humains accordaient au moins aux chats le bénéfice de l'existence. Tandis que les humains opposaient au plus formidable plan de conquête de tous les temps un silence méprisant. Et une indifférence aussi consternante qu'offensante. Car oui, les hommes avaient remarqué les Covid. Et plutôt mille fois qu'une. Mais ils se contentaient de tenter naïvement de les anéantir. Ils faisaient penser à des fermières armées de tapettes à mouches qui s'agitent dans tous les sens et ne s'aperçoivent pas que la porte de la cuisine donnant sur le tas de fumée est ouverte. Un peu comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais avaient décrété « Tiens, il pleut des bombes sur Londres. My God, tâchant de nous en protéger. » Sans s'inquiéter de savoir qui les envoyait, ni songer à entrer en guerre contre les Allemands. SARS-2 se demandait s'il s'agissait de bêtises ou au contraire d'une stratégie redoutable. Car enfin, comment les humains avaient-ils deviné, eux qui feignaient de ne rien savoir des Tadmoriens, que plus que tout ceux-ci aspiraient à un peu de considération de la part du peuple conquis. SARS II, comme ses sujets, avait rêvé de poignées de main historiques, de batailles glorieuses, de traités de paix et d'échanges de technologies. Les humains étaient bel et bien envahis, mais ils refusaient de le reconnaître. C'était une perversité absolue. Le général partageait cette puissante rancœur. Tout empereur fait imprimer son profil sur les pièces de monnaie afin que personne n'ignore ses traits et son nom. Le général avait conquis la terre, éliminé les snobules, et pas le moindre terrien ne connaîtrait son nom. Il était à pleurer de rage. C'est alors que l'administratrice osa une idée qui abasourdit tout l'état-major. D'une voix rauque, déformée par la rancœur, elle prit la parole. « Contre toute logique, dénonça-t-elle, et aussi idiot que cela puisse vous paraître, il se pourrait que chez les humains, la taille compte. » Oui, une simple question d'échelle empêchait peut-être les humains de reconnaître l'invasion. Pire, dans leur cécité primitive, ils n'avaient pas reconnu dans la subtile architecture du Covid la marque d'une technologie supérieure à la leur. Les humains croyaient manifestement que les choses arrivent toutes seules. Que la technologie tombe du ciel. Pas étonnant qu'ils en soient si dépourvus. Ils auraient fait n'importe quoi pour ne pas reconnaître la supériorité des Tadmoriens. Cet aveuglement obstiné confinait au déni. C'était pas des diplomates qu'il leur fallait, mais des psychiatres. SARS-2 se mit à envisager la colonisation sous un autre angle. Après tout, ne pouvait-on se passer de la moue de vaincu de ces bipèdes imbéciles ? Qu'est-ce qui empêchait les colons du vaisseau de s'arroger les deux lettres CG et de déclarer à la planète mère que la colonisation était réussie ? S'ils sortaient du vaisseau et implantaient leur ville, leur industrie et leur base de voyage intergalactique au train où c'était parti, il y avait gros à parier que les humains ne s'en apercevraient même jamais. Il était dur à admettre pour un roi, mais peut-être moins tout compte fait que de rentrer sur Tadmor la queue entre les jambes. Échanger des « one more beer please » et des « fuck off » protocolaires avec le maire de Pinetop Lakeside manquerait beaucoup à SARS-2. Et les manuels d'histoire seraient assurément privés d'un chapitre, mais il faudrait bien s'y faire.
Les colons, toujours confinés dans le vaisseau, montraient des signes d'impatience. Il était plus que temps de les féliciter et de les envoyer s'installer sur Terre. Après tout, la guerre ne plaisait à personne. En l'évitant, on gagnait en temps et en argent ce qu'on y perdait en gloire. Le roi méditait sombrement sur son avenir de monarque partageant son territoire avec un autre monarque qui ignorerait toujours sa présence. Deux règnes parallèles, deux populations réduites à se côtoyer sans se connaître. Mais abdiquer du protocole et ignorer à son tour les humains ne ferait-il pas de lui un lâche pareil aux Snugul? Vivre incognito sur la Terre était-il la seule chose dont les fils de Séphé étaient capables? Pourtant, tout avait si bien commencé. Pour la première fois, les Tadmoriens avaient réussi à attirer l'attention des humains et à infléchir leur destinée. Les Covid avaient monopolisé toute l'attention. Mais force était de constater qu'ils avaient failli à leur mission. La stagiaire frappa à la porte. Elle apportait la tenue terminée, mais Sars 2 la congédia. À quoi bon, à présent? C'est alors que le général frappa à son tour à la porte du roi. Sire, j'ai peut-être une idée de génie pour sauver votre reine. Et mon buste au Panthéon, pensa-t-il par-devers. Parle, dit le roi en soulevant péniblement sa tête de la table sur laquelle il s'était affalé. Nous avons une deuxième chance, dit le général. Comment cela, dit le roi. Sire, l'apparition des Covid n'est pas passée inaperçue aux yeux des humains. C'était un premier succès. Nous touchions au but. On parlait de nous à la télévision. Enfin, pas exactement de nous, mais tout de même. Je le sais, s'impatienta le roi. Vous serez décoré pour ça un jour. Mais la deuxième chance. La disparition brutale des Covid pourrait leur faire le même effet. Un deuxième signal, en quelque sorte, qui leur mettrait enfin la puce à l'oreille. Nos Covid disposent tous de traceurs. En activant ceux-ci, nous pouvons leur ordonner de rentrer au bercail. Vous imaginez la tête des humains? En une nuit, fuite, plus aucun Covid. Et c'est là que vous intervenez, sire. Grâce à nos amplificateurs, et à vos notions d'anglais, sire, nous choisissons un scientifique et nous revendiquons la disparition des Covid. Et nous apparaissons du même coup comme leur sauveur, poursuivit le roi. C'est pas idiot du tout, général. Bravo! Le général gloussa de plaisir. Ensuite, nos colonies s'implantent, sans guerre ni contestation. Au pire, ils nous vouent une reconnaissance éternelle. Au mieux, ils nous rendent un culte. En prononçant cette phrase, le roi vit que l'administratrice avait elle aussi fait irruption dans la pièce. Ce bureau était décidément un véritable moulin. N'importe qui aurait pu voir à la tête de l'administratrice qu'elle l'avait mauvaise, parce que l'idée que le roi venait d'approuver ne venait pas d'elle. « C'est bien joli, général, siffla-t-elle, mais si quelques milliers de Covid trouvaient facilement place dans le vaisseau, que ferez-vous des milliards de Covid qui reviendront ici ?» Quand vous les rappellerez au bercail, hein? Ils se sont multipliés, je vous le rappelle. Et pas qu'un peu. C'est en effet un problème auquel... s'étrangla le général. Je compte sur vous pour trouver une solution rapidement, dit le roi en lui tapant gentiment dans le dos. Son enthousiasme lui était revenu brusquement et il n'avait pas envie de laisser l'administratrice gâcher sa joie. Une équipe d'ingénieurs se mit donc à travailler d'arrache-pied sur une manière de réduire le volume des Covid ou de les détruire dès qu'ils approcheraient du vaisseau. C'était une perte considérable de technologie et de matières premières, mais la conquête de mondes lointains avait ses exigences. Une autre équipe se chargea de repérer un scientifique de pointe travaillant sur les Covid, disposant d'une excellente ouïe et de préférence chauve pour faciliter l'accès à ses oreilles. On en repéra un, à peine top lakeside même, une approche en stéréo par deux missions indépendantes visant chacune une oreille fut favorisée.
lorsque le vieux Jim Stanford entendit « One more beer, please » dans ses deux oreilles, il sut qu'il avait abusé de la boisson la veille. Le son était faible, mais il avait parfaitement perçu les mots, bien que prononcés avec un accent tout à fait étrange. Après quelques minutes d'étonnement, et après s'être gratté la tête en regardant dehors, Jim se servit une bière et rangea le vieux microscope optique avec lequel il s'amusait à ses moments perdus. Il était toujours amusant de regarder des ailes de mouche sous la lentille. C'était bien plus drôle avec Ben, son petit-fils. Du reste, il avait manifestement abusé du brandy hier soir. Il se récura l'oreille avec son auriculaire et referma la porte de son atelier. C'est trop idiot, s'emporta l'administratrice. Ils ont érigé la distanciation sociale en dogme. Un énorme pas vers la sagesse. Ils ne font presque plus rien ensemble. Nous avons réussi à faire baisser le taux de sérotonine à un niveau ridiculement bas. L'humanité s'apprêtait à connaître des jours meilleurs, débarrassés du poison de ces... Ici, l'administratrice fut une moue de dégoût, comme s'elle crachait un pépin, de ses relations. Rien qu'à Pinetop Lakeside, on comptait déjà moins de bagarres, d'insultes, et moins de rencontres amoureuses aussi, grande cause de violence, de rancœur et de frustration. Les grands civilisateurs restent parfois anonymes, philosopha le roi. Tant pis pour eux, mais ma décision est prise. Nous rappellerons les Covid demain matin. À propos, vous n'aviez pas de chiffres pour les autres parties du globe ? Se baser sur Pinetop Lakeside seul, c'est peut-être... Sire, avez-vous réglé le problème du nombre actuel des Covid et leur stockage ? Si je peux me permettre, interrompit sèchement l'administratrice. Si fait, ils s'autodétruiront en pénétrant dans le périmètre du vaisseau. Nous n'en ramènerons que quelques-uns sur Tadmor. Pour les musées, vous comprenez. Le plan du général était magnifique. Selon la mission commando, le scientifique avait bien entendu le message et demain, à la stupéfaction des humains, tous les Covid auraient disparu d'un coup. Cette fois, la mission de conquête serait un succès éblouissant. Le roi essaya sa tenue de latex et se mira longtemps en répétant d'une voix solennelle ses premières phrases en anglais. On donna une grande fête dans le vaisseau. À chaque étage, la salle de conférence fut réquisitionnée. On y installa de très puissants amplificateurs de façon à ce que tous puissent profiter sans effort de la musique. On prépara des hectolitres de boissons et l'on décora les murs de grandes lettres C et G en papier doré. Dans un rugissement de décibels, les colons dansèrent, burent et firent la fête dans la liesse pour célébrer leur conquête de la Terre. Harper avait toujours aimé traîner seul. Il n'avait pas beaucoup d'amis à Pinetop Lakefield. Depuis tout petit, il adorait s'aventurer dans le désert autour de la ville. Passer la dernière pompe à essence, plus grand monde ne pouvait l'empêcher de faire ce qui lui chantait. De déterrer les serpents, ou de faire des fleurs sur le sable avec ses empreintes de pieds. La première fois, il n'avait que 5 ans. Sa mère et sa tante avaient eu une frousse bleue, mais ça n'avait pas empêché Tim de recommencer. Il avait aujourd'hui 14 ans et ses balades dans le désert parmi les buissons épineux lui plaisaient toujours autant. Il faut dire qu'il n'y avait pas non plus une foule de choses intéressantes à faire à Pinetop Lakeside, Arizona. Tim vit dans le sable un objet cylindrique et brillant et le ramassa. Ce n'était qu'une canette de marque inconnue, abandonnée là par un buveur négligent. Il la jetterait à la poubelle de la station. Lorsqu'il la prit en main, la canette vibra, et il lui sembla même qu'elle vibrait en rythme. « Il doit y avoir un frelon pris là-dedans, » dit Tim. D'ailleurs, dès qu'il l'eut secoué un peu, le « bzzz » cessa. Tim l'aplatit d'un coup de talon.
En passant par la station d'essence, il jeta la canette dans une poubelle et reprit la direction du centre-ville. Le camion de ramassage des ordures passa le lendemain matin et la canette finit dans l'incinérateur. Le tri des ordures n'était pas encore entré dans les mœurs à Pinedoplex. Tim remit son masque pour passer saluer sa tante. Il regarderait les nouvelles à la télévision avec elle avant de rentrer chez lui. Ça lui faisait toujours plaisir. Tante Suzy installa son neveu dans le canapé et alluma le poste. Tante Suzy versa du gel sur les mains de son neveu. « Frotte bien et puis prends une gaufre, » dit-elle. Tim s'exécuta. Les nouvelles de la pandémie étaient alarmantes. Partout, les statistiques explosaient. Les pays entiers étaient à l'arrêt. Les gens affamés commençaient à errer dans les rues des capitales, parmi les cadavres. Les hôpitaux où il restait des médecins opéraient un tri à l'entrée selon l'âge, et ils étaient désormais gardés par l'armée. Tim sentit bien que les choses ne promettaient pas de s'arranger.